Bonjour tout le monde! Ça va bien aujourd'hui? Savez-vous d'où vient le mot « restaurant » du verbe « se restaurer », c'est-à-dire reprendre des forces en mangeant? Qu'est-ce qu'on trouve généralement dans un restaurant? Bien sûr, il y a des tables de différentes formes, des chaises, évidemment, un menu qui propose ce qu'ils offrent comme plats et boissons, des plats, des desserts, des boissons chaudes ou froides. Il y a parfois le plat du jour. Il y a un serveur qui prend la commande, qui sert les plats commandés, puis qui prend l'addition que règle le client. Et ce dernier peut lui laisser parfois un pourboire, c'est-à-dire une petite somme d'argent pour lui dire merci. Dans cet épisode, la famille de Dominique va au restaurant. Voulez-vous savoir quelle est l'occasion qui les réunit? Au restaurant. Cette année, pour célébrer l'anniversaire de grand-mère, papa nous emmène déjeuner dans le restaurant où il a rencontré maman pour la première fois. Dominique, tu sais, c'est un restaurant reconnu pour les délicieuses pizzas qu'il prépare, me dit-il. Sois prête à midi. Tes cousins nous rejoindront aussi. Je cours alors vite me préparer pour ne pas les retarder. Au restaurant, une dame nous reçoit et nous accompagne vers la table que papa a réservée. Une nappe en soie blanche la recouvre et un joli bouquet de fleurs déposé au centre la rend si distinguée. Au fond de la salle, un homme joue au piano. Curieux, mes cousins s'approchent de lui et le prennent en photo. Lorsque tout le monde s'installe, un serveur s'approche et tend à chacun le menu. Moi, je ne pense qu'à la pizza, la spécialité du restaurant. C'est la première fois que je vois grand-mère aussi heureuse. Surtout lorsque papa raconte les détails de sa rencontre avec maman. Un serveur arrive avec un grand plateau où se trouvent tous les plats commandés. Lorsque nous finissons de manger, papa commande des desserts et des bougies. Nous chantons tous en chœur pour souhaiter un joyeux anniversaire à grand-mère qui souffle ses bougies et applaudit de joie. Après avoir réglé l'addition, papa remercie le personnel. Il nous propose de rentrer à pied après le repas copieux que nous venons de manger. Est-ce que vous préférez manger à la maison ou au restaurant? À la maison, on est plus à l'aise. On prépare les plats à notre guise. Mais au restaurant, il y a certaines règles à suivre pour ne pas déranger les autres. Commençons maintenant à lire le texte. Il s'intitule « Au restaurant ». Cette année, pour célébrer l'anniversaire de grand-mère, papa nous emmène déjeuner dans le restaurant où il a rencontré maman pour la première fois. Dominique, tu sais, c'est un restaurant reconnu pour les délicieuses pizzas qu'il prépare, me dit-il. Sois prête à midi. Tes cousins nous rejoindront aussi. Je cours alors vite me préparer pour ne pas les retarder. En quelle occasion la famille sort-elle déjeuner au restaurant? C'est l'anniversaire de la grand-mère de Dominique. Et pourquoi ce restaurant est-il spécial aux yeux du papa de Dominique? Parce qu'il lui rappelle le jour où il a rencontré sa femme pour la première fois. Comment on comprend que la narratrice, c'est-à-dire la personne qui raconte, s'appelle Dominique? Parce que son papa s'adresse à elle en lui demandant de ne pas tarder à se préparer, surtout que ses cousins les rejoindront aussi. Et elle dit « me dit-il ». Donc on comprend que c'est elle le personnage principal. Remarquez ce verbe. De quel temps il s'agit? Le présent de l'indicatif, très bien. Pourquoi il se termine par « e » Parce que « papa » est le sujet du verbe « emmène ». Donc, on peut le remplacer par « il ». C'est le verbe « emmener ». Il appartient au premier groupe. Donc, avec « il », on met « e »
à la fin du verbe lorsqu'il est du premier groupe. Trouvons ensemble d'autres exemples pareils. Regardez bien. On peut dire par exemple « il saute à la corde ». On peut dire « elle traverse la route ». Ou bien « il vérifie la réponse ». Ou bien « elle emporte son livre ». Ce sont tous des verbes du premier groupe. Donc, avec « il » et « elle », on met un « e » à la fin du verbe du premier groupe. Le saviez-vous? On emploie le verbe « emmener » et « amener » et « ramener » lorsqu'on parle des personnes. Et on emploie le verbe « emporter » pour parler des choses. Par exemple, regardez, on dit « je vais apporter le livre dont je t'ai parlé ». Et on dit « je vais emmener mon fils au cinéma ». Ne l'oubliez pas. Voyons maintenant la suite de l'histoire. Au restaurant, une dame nous reçoit et nous accompagne vers la table que papa a réservée. Une nappe en soie blanche la recouvre et un joli bouquet de fleurs déposé au centre la rend si distinguée. Au fond de la salle, un homme joue au piano. Curieux, mes cousins s'approchent de lui et le prennent en photo. Donc, dès leur arrivée, une dame les accueille et leur indique la table réservée pour eux. Remarquez les verbes en gras. Reçoit et joue. Que constatez-vous dans la terminaison? Reçoit prend un T et accompagne et joue prennent un E. Pourtant, c'est le même sujet, c'est la dame. Pourquoi ces verbes conjugués au présent avec le même sujet ont-ils des terminaisons différentes? Car le verbe recevoir est un verbe du troisième groupe et le verbe jouer est un verbe du premier groupe. Et qu'est-ce qui rend la table spéciale et chic? Il y a une nappe en soie blanche qui la recouvre et un bouquet de fleurs qui se trouve au centre. D'où provient la belle musique? Il y a un homme qui joue au piano. Bravo! Remarquez avec moi maintenant ces verbes. Il, elle, finit. T. Il, elle, met. T. Il, elle, conduit. T. Il, elle, rougit. T. Donc, les verbes du deuxième et du troisième groupe prennent un T avec il ou elle au présent de l'indicatif. Très bien. Voyons maintenant la partie suivante du texte. Lorsque tout le monde s'installe, un serveur s'approche et tend à chacun le menu. Moi, je ne pense qu'à la pizza, la spécialité du restaurant. C'est la première fois que je vois grand-mère aussi heureuse. Surtout lorsque papa raconte les détails de sa rencontre avec maman. Un serveur arrive avec un grand plateau où se trouvent tous les plats commandés. Lorsque nous finissons de manger, papa commande des desserts et des bougies. Nous chantons tous en chœur pour souhaiter un joyeux anniversaire à grand-mère qui souffle ses bougies et applaudit de joie. Après avoir réglé l'addition, papa remercie le personnel. Il nous propose de rentrer à pied après le repas copieux que nous venons de manger. À quoi sert le menu? À connaître les plats présentés dans un restaurant. Et que choisit Dominique? La pizza que son papa lui a recommandée au début. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Qui se rappelle? La famille mange, puis célèbre l'anniversaire de la grand-mère qui va souffler ses bougies très heureuse. Et à la fin, comment se termine l'histoire? Ils vont aller faire une marche en nature. Mes amis, au restaurant, rappelez-vous toujours
qu'il faut veiller à ne pas déranger les autres. Est-ce que vous avez aimé cet épisode? Je vais vous remercier pour votre attention et vous dire au revoir et à la prochaine. لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات7 بلس.